Ouais. Je parais. Ça va mon frérot? Et toi? Eh ben écoute, t'enregistres, vous l'entendez? Ça enregistre. L'entend bien. Et vous savez quoi le thème du jour? Ça va être tout simple. Ça va être, on va monter le level frérot. On a prévu une petite route. Ça y est, on prévoit et tout ça. On va vous embarquer jusqu'à Aigle-Sac, au plus loin qu'on va remonter. Là, ici, on est derrière l'Audève, dans les petites montagnes derrière l'Audève. Gros kiff. On y va comme d'habitude, les amis. Je vous promets de la du pur régal. Elle est dégueulasse. Dégueulasse. Mais bon, road trip numéro... Oh, numéro beaucoup, franchement, ça fait trop plaisir quand même. Attends, le GPS. Le GPS. Allez, c'est parti les amis. Regardez-moi, c'est beauté pour commencer la cache, premier virage. Trop bien. Sans les routes derrière l'Audève, ça reste un top. Hein. Oh là là, magnifique. Mais une courbe à droite. Ah ben moi qui voulais rider. Vous l'avez fait montrer déjà cette route, la route des éoliennes, je l'appelle. Il faut prendre le temple bouddhiste. Elle est incroyable, hein. Pure route de ride, les amis. Franchement, pour s'y remettre, ah, ça c'est top. Hein. Oh putain! Oh ben merde! Putain, bien joué frérot! Putain, ce freinage que tu m'as mis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? Ah ben ouais, ok! Va les gars! Les gars, on les bloque là un peu ou pas? Non, ça va? Putain, à chaque fois, ça c'est une de mes spécificités! Oh merde! Attends, il y a ma femme en plus qui me dit. Pas de bêtises aujourd'hui, vous tombez pas de traceurs. Non, encore moins dans des moutons. Des moutons bon, je crois qu'il y a une petite esquive, ouais, mon frérot là. On va y aller doucement. On va aller skilou. Allez, doucement. En souplesse. Ça c'est typiquement les petites routes escarpées du midi. C'est, je m'en lasserai jamais quoi de partir à gauche, à droite, me retrouver dans des endroits comme ça. Ça, ça régale, hein. C'est sympa, hein. Ah, c'est sympa. Ça, c'est vraiment la petite balade. La petite route, comme ça, je le disais à la vidéo, putain, ça fait du bien. La petite balade de la semaine. Et la petite balade, ah là là, c'est du bien, là, putain, je... Sous le seul au monde, en plus, hein. Ouais, grave, ouf, personne. Putain, mais 20 degrés. Ah, la c'est perfection, bon. La perfection de la moto, à peu près. Ouais. Nous voilà en Aveyron. Et les petites maisons d'Aveyron en pierre, trop belles. Ben j'essaye de rouler avec mes valises, t'as vu, ça me... Je m'habitue, ouais, un petit peu et tout, mais ça va là maintenant, là c'est une seconde nature. À part... Ah putain, la blague, j'aurais dû filmer ça. Je suis à l'avenue de la Liberté, t'as vu, il y a des travaux en ce moment. Il y a des bites comme ça et tout. Ouais.
Et alors, bon, gros bordel comme ça, avec les mecs qui se décalent légèrement à droite. Donc j'ai mes bits là, comme ça et tout. Puis je suis en train de rouler. Un Mongolien. Zvlouk. Zvlouk. Et je continue, j'en prends 3 ou 4 comme ça. Avant de me dire, regarde, j'ai encore du jaune là. Avant de... Oh, c'est marrant, ça fait blouk. Blouk. Et tu sais, je fais, mais. Après, je fais, tu vois, je réfléchis, je fais, vas-y, arrête de cogner un peu les bites comme ça. J'essaye d'esquiver, mais en fait, c'est traître parce que regarde, ça dépasse de ça en fait. Donc, tu passes au guidon, mais regarde, tu passes pas. Ouais, vraiment, ouais, le glouk, c'était ça. Il y a 2 cm, tu vois là, plouk. Oh putain, c'était trop. Et genre, le premier coup, ouais, ça t'a pas fait vaciller, t'as juste, tu frottais un peu. Ah ouais, c'était pas méchant. Et alors, les mecs au volant, ils devaient être là. Ouais, ça va, mon gars, tranquille. C'est beau. J'espère qu'on va pas prendre la pluie. Aïe 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 aïe. Ah là, je vais être ce soir, une petite bière là. Je vais être comme ça. Régalade. J'avoue, moi ce soir, je suis avec ma petite mamie. Ouais. Colanta à deux. Un bon petit plat ou quoi? Toujours un bon là. Toujours, toujours. Oh là là, ça va être bien bon ça. Putain, avant d'arrêter de parler de bouffe, je vais mourir sur place. C'est vrai, là, ça fait faim, putain. Trop beau. Ça c'est bon les amis. Voilà, Saint-Rome du Tarn les amis, on arrive, on pourra s'arrêter un peu, faire les petits plans parce que c'est une pure beauté ce village. Oh putain, tu le sens le méga orage? Putain la transition les gars. Ils vont rien comprendre, on arrive, c'est la cagnasse, on est en train de s'habiller en pluie. C'est la bérésina. Oh là, c'est de la grosse goutte, c'est pas bon ça poulet. Hein. Je te le dis, c'est une journée qui va finir de partir en couille ça. Il y a un moment donné... Et à un moment donné, on passait une trop bonne journée. C'était, ça dit, mais mes couilles, le 25 degrés, grand soleil, trop facile. Voilà, ça donne envie d'aller faire de la moto, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le plaisir. Voilà. Moi, ça... ça donne pas envie de faire de la moto là? Pas trop là. Là non, pas trop, hein, j'avoue. Sinon il y a l'arche là-bas, mais... Regarde, ça grêle et tout. Ah ouais. Regarde la vitesse où c'est monté. Ah. Et ça pue pour Aigues-Sac, hein, je crois. Comment? C'est
beau à voir. C'est beau à voir, ouais, c'est ça. Ça va falloir rouler à un moment donné. Hein. Mais écoute, ça se calme, c'est la fenêtre de tir. Allez, on t'intègre sac. Je m'en bats les couilles. On est venu pour venir à ce village, on va y aller. J'ai fini par couper l'enregistrement, le micro étant raccordé, la GoPro n'est plus étanche. Entre-temps, un violent orage de grêle nous a rattrapés, on s'est retrouvés vraiment perdus au milieu de nulle part. Et je remercie infiniment ce monsieur qui nous a fait signe au loin, nous voyant en galère, de rentrer dans sa grange. Impossible là, frérot, impossible. Là, c'est impossible, merci. Ah, là, c'est impossible. Ah, ça m'a cassé la tête le... Il faut que je mette la doublure. Ça m'a cassé la tête la glace là. C'est la première fois que ça m'arrive en moto. En 10 ans de moto, la glace. Alors oui, qu'est-ce qu'on fait ici les amis? J'ai tout coupé hein, parce qu'il n'y a plus rien qui enregistre forcément. Donc voilà, une pluie avéronaise. Et on arrive chez quelqu'un. Et je sais pas en fait, on était en urgence quoi. On s'est mis juste un abri. Et il nous fait, ben venez dans mon garage. Ah là, ils sont trop gentils les gens. Oh putain, regardez-moi cette glace les amis et tout, n'importe quoi. Ça y est, j'ai les godasses remplies. Ah putain, c'est foutu. On a foutu notre journée quoi. Ouais, sauf que bon, on a prévu la pluie. Mais là, c'est pas de la pluie là, frérot, c'est la tempête. Ah putain, ça fait pas chambre blanche chez vous, hein. Fou là là. Et bonjour. On est montant, on fait ce côté. Ah ouais, j'imagine, ouais. En tout cas, merci beaucoup. Avec merci. Avec ouais, trop bien. Au revoir, madame. Allez, merci beaucoup. Allez, on va tenter de se rentrer. Ça fait du bien que ça se soit calmé. On a remis les épaisseurs. Bon, ça aura été notre, notre arche. Messieurs, dames, merci encore. À la prochaine. Comment? On est reparti, il faut que je remette le GPS quand on se cale. Ouais. Et on va en mode express. Obligatoire. On n'est pas mort. C'est grand plaisir.